vous accueillir, comme je vous disais, je le dis de façon tout à fait officielle et devant cette assemblée. Tous ici sommes très attachés à votre venue et tous ont souhaité être présents justement pour vous accueillir dans ce sens. Je sais que, bon, si vous êtes déjà déplacé dans notre commune, même à plusieurs reprises, je vous accueille en ce qui me concerne pour la première fois. Je suis un nouveau maire installé. Ah ben, je pourrais vous expliquer. Même si je suis dans la politique depuis de nombreuses années, mais vous voyez, on n'accède pas au poste de maire comme ça immédiatement, et j'y suis. C'est une fierté, un honneur, car je reçois un pionnier de la cardiologie, doublé d'un homme qui a consacré sa vie à se consacrer, à servir son prochain. C'est également une fierté, car vous recevoir à l'occasion d'une remise de dons à destination de votre association Adhicar, ça indique véritablement que nos concitoyens savent faire preuve aussi de générosité pour des grandes causes comme la vôtre. Je me félicite de la fidélité de l'association Rock Loisirs à votre endroit, et de nombreux représentants sont ici présents. J'émets le vœu que ces dons vous permettent, cher professeur Cameron, d'atteindre les objectifs que vous vous êtes bien entendu fixés. Bienvenue donc à Pleurbel. Longue vie à Adhicar et longue vie à Rock Loisirs pour le bien de tous. Et je voulais vous remettre, professeur, ce petit présent qui est vous voyez, la sculpture du lion ailé, qui est le symbole de la ville de Pleurbel. C'est une reproduction de l'œuvre, d'une œuvre qui ici. Non, alors je vous remercie d'être venu. Alors, bienvenue en Bretagne. Parce que, alors là, on est la Bretagne intérieure. C'est vrai que tu as parlé du nautisme. Oui, oui. À cause de ce zone. Il y a des guémermards des Braises. On a raison. Merci d'utiliser votre notoriété pour finalement une cause qui en vaut la peine, parce que je crois que souvent et quelquefois on se plaint que rien ne va, que les gens ne pensent qu'à eux, on voit bien que c'est pas vrai, et moi, enfin, en particulier dans le travail qui est le mien maintenant, celui de député, je vois beaucoup plus de gens finalement qui prennent soin des autres que de gens qui ne pensent qu'à eux. Et donc, c'est encore un bel exemple aujourd'hui, puisque nous avons évidemment Rock Loisirs, nous avons les différentes associations. Moi, j'ai vu le foot de Pleurbel également. Donc, on voit bien que tout cet aspect-là, c'est ça que, finalement qui fait société. Bon, eh bien, écoute, pour lui, tu vas aller au Glénat. Bon, ben, pour ça, tu vas aller sur la Seine. Sur la Seine, ça va. Non, sur la Seine, tu t'inscriras, mais tu iras au Glénat, qui sont l'Arche de Concarneau. Là, d'abord, je n'ai pas eu mal de mer, et ensuite. J'ai trouvé que c'était formidable et je suis revenu plusieurs fois jusqu'au moment où je me suis marié et je ne pouvais plus à ce moment-là évidemment sacrifier à cette magnifique vie de marin. Quoi. Alors j'ai tenu un an, puis au bout d'un an, j'ai lâché, alors j'ai acheté un petit bateau. Et j'ai navigué comme ça ici. Dans toute la région, aussi bien au nord qu'au sud, et c'était magnifique. Voilà comment j'ai connu la Bretagne. Alors, comme j'étais un jour avec Franck Camas, vous connaissez oui, Franck Camas, oui. Je lui ai dit, on me dit présenter Franck Camas. Je lui ai dit, comment Franck Camas, et j'ai évidemment tous les titres à ça, parce que j'ai osé, et d'ailleurs réussi, la traversée de la rade de Brest, à la voile. Alors, Franck Camas a dit, moi je l'ai pas fait. Eh bien, vous en faites pas, je vous le dirai. Mais la faute chose, c'est effectivement bonne.